Bonjour à tous, nous allons aborder ensemble aujourd'hui un motif de consultation très fréquent en dermatologie qui est l'acné. Donc l'acné est une maladie inflammatoire, chronique, il faut savoir qu'elle évolue sur un mode chronique, du follicule pilosébacé. C'est une pathologie de l'adolescence. Dans 80% des cas, elle survient chez les sujets entre 12 et 20 ans. L'acné de l'adulte reste toujours possible, notamment chez la femme. Le follicule pilosébacé est constitué d'un poil auquel est annexée une glande sébacée dont la fonction principale est de produire du sébum qui sera acheminé le long de l'infundibulum pour être réparti à la surface de la peau. Donc dans des conditions pathologiques, notamment au cours de l'acné, il y aura une production excessive de sébum ainsi qu'une production excessive de kératinocytes ou bien une prolifération kératinocytaire au niveau de ce canal. Donc, il va aboutir à une obstruction du follicule. Donc, devant cette atmosphère anaérobie, il y aura forcément une pullulation microbienne et l'apparition des phénomènes inflammatoires. Donc, la bactérie incriminée est le Propionibacterium acnes ou bien le Cutibacterium acnes. Sur le plan physiopathologique, nous aborderons tout d'abord la glande sébacée qui va fonctionner d'une façon anormalement élevée et va produire beaucoup de sébum et du sébum de mauvaise qualité. Nous aborderons également l'épithélium de l'infra-infundibulum où il y aura une prolifération kératinocytaire d'une façon excessive, donc qui va aboutir à l'obstruction de ce canal et donc une rétention. Nous aborderons le Propionibacterium acnes qui sera responsable essentiellement des phénomènes inflammatoires et nous aborderons le terrain génétique sur lequel survient cette acné d'une façon générale. Donc la glande sébacée est responsable de l'hyperséborrhée, c'est-à-dire d'une production excessive de sébum. Donc seront concernées la glande sébacée dans un premier temps, seront concernés également les kératinocytes et des sébocytes de phosphofollicules pilosébacés, et bien sûr nous aborderons la composition de ce sébum qui sera également de mauvaise qualité. Donc, il faudra savoir que la glande sébacée est dotée de plusieurs récepteurs. Notamment, nous aborderons les récepteurs à la dihydrotestostérone. C'est ce qui nous importe le plus. C'est ce qui fait que c'est une glande qui est hormonodépendante. Donc, une stimulation excessive de ces récepteurs par la dihydrotestostérone va entraîner une production excessive de sébum. Les deuxièmes récepteurs qui nous importent, ce sont les récepteurs de la substance P qui sont stimulés au cours du stress et ce qui explique les poussées d'acné en période de stress. Et nous avons également d'autres récepteurs, des récepteurs à la CRH qui sont stimulés par le Propionibacterium acnes. Nous abordons maintenant le rôle des sébocytes et des kératinocytes du follicule pileux. Il faut savoir que ces cellules sont dotées d'un système enzymatique appelé 5-alpha-réductase 1. Donc cette enzyme va permettre la transformation de testostérone en dihydrotestostérone et comme on vient de le voir, avec ces récepteurs spécifiques, au niveau de la glande sébacée, il y aura une production accrue de sébum. Il faut savoir également que la fonction de cette 5-alpha-réductase varie en fonction de certaines périodes de la vie, notamment à la puberté et en prémenstruelle. C'est ce qui explique les poussées d'acné, surtout prémenstruelles. Il faut savoir également que le sébum qui sera produit en quantité élevée sera également de mauvaise qualité puisqu'il contiendra beaucoup de squalène et beaucoup de cire qui sont comédogènes et irritatifs et il contiendra également beaucoup d'acides gras libres qui ont une action pro-inflammatoire. Ce sont des acides gras libres qui vont provenir de l'hydrolyse des triglycérides qui sont contenus normalement dans le sébum et cette hydrolyse se fera avec des enzymes donc produites par le Propionibacterium acnes. Donc on en a fini avec la glande sébacée. Nous abordons maintenant l'épithélium infra-infundibulaire. Donc qu'est-ce qui va se passer au sein de l'infundibulum? Il va y avoir une augmentation de l'activité proliférative. On l'avait dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la formation d'un bouchon, donc ce qu'on appelle le bouchon corné. Et quand ça se bouche, il va se passer quoi? Il va y avoir une accumulation de sébum et donc c'est ce qu'on appelle la rétention sébacée. C'est ce qui va expliquer les premières lésions élémentaires qu'on va constater, les lésions rétentionnelles. Ce sont les lésions, tout ce qu'on verra à l'œil nu en premier, ce sont des lésions qui sont la conséquence de la rétention. Donc ces lésions sont essentiellement représentées par les comédons et les microcystes. Troisièmement, on a le Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes est une bactérie anaérobie
Donc, il va agir essentiellement par ces lipases, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, ces lipases qui vont hydrolyser les triglycérides en acides gras libres, on se répète, par leur action pro-inflammatoire et par leur chimioctatisme des polynucléaires neutrophiles. Cependant, le propionibacterium acnes va agir par d'autres voies, notamment l'activation du complément, et sinon d'autres voies telles que l'expression des toll-like récepteurs ou encore des productions de protéines de choc thermique. Sur le plan génétique, il est important de savoir que les récepteurs des androgènes de la glande sébacée comportent plusieurs sites fonctionnels. Donc, le gène de ces récepteurs est porté par certains chromosomes, notamment le chromosome X, en position Q1, Q12. L'expression de ce gène, il faut le savoir, elle est variable en fonction des fois de certaines périodes de développement et de l'âge du sujet. Et l'expression de ces gènes pourrait être définie génétiquement. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui font beaucoup d'acné et des acnés graves et d'autres qui en font moins. Maintenant, on va passer au volet clinique. Maintenant, comment va se présenter l'acné? Quelles sont les lésions élémentaires de l'acné? Donc, la lésion élémentaire, elle se divise en trois parties. Donc, premièrement, c'est la séborrhée. Deuxièmement, on aura les lésions rétentionnelles, ce sont les premières à apparaître. Et après, en deuxième lieu, il y aura l'inflammation qui va apparaître, donc les lésions inflammatoires. Donc, les lésions élémentaires, on va aborder en premier lieu, on avait dit, la séborrhée. C'est le visage qu'on voit des acnéiques. Ce sont des gens qui ont le visage qui brille tout le temps. Donc, la séborrhée est la première manifestation. On a cet aspect brillant du visage, surtout au niveau de la région médio-faciale, avec des pores qui sont dilatés. Donc, les zones qui sont concernées par la modification de la texture du visage, donc c'est-à-dire qui sont brillantes, c'est le front, les joues, la pointe du nez et le menton. Donc, nous avons ici un schéma qui va expliquer les lésions premières, les lésions rétentionnelles. Donc, nous avons ici donc une production accrue de sébum avec un orifice qui est complètement fermé. C'est ce qu'on appelle le comédon fermé. Toutefois, s'il y a une petite ouverture et le sébum... S'il y a une petite ouverture et le sébum peut sortir, ça constitue le comédon ouvert. Donc, les deux lésions rétentionnelles qu'on va voir, c'est le comédon fermé et le comédon ouvert. Donc, les lésions rétentionnelles, premièrement, c'est le comédon. Le comédon, ou appelé communément point noir ou comédon ouvert, comme on le voit, les points noirs, on les voit ici, hein, avec des pores qui sont complètement dilatés par ce contenu noirâtre. Donc, c'est ce qu'on appelle également les bouchons cornés. C'est un bouchon corné noirâtre qui résulte de l'accumulation de sébum et de kératine, okay, qui vont aboutir à l'obstruction de l'orifice infundibulaire. Ce noir correspond à du gras oxydé, c'est-à-dire le gras, lorsqu'il va sortir à la surface de la peau, il va s'oxyder et bien sûr, il est mélangé à la mélanine de l'épithélium infundibulaire. Les deuxièmes lésions rétentionnelles, ce sont les microkystes, c'est-à-dire lorsque l'orifice est complètement fermé. Lorsque c'est complètement fermé, ça donne le microkyste ou ce qu'on appelle communément le point blanc, ou bien comédon fermé. Ce sont des petites papules blanchâtres de 2 à 3 mm qui correspondent, comme je vous l'ai dit, à l'accumulation de sébum et de kératine, infundibulum complètement fermé, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, ces éléments complètement fermés ont la possibilité de deux choses. Soit ils vont s'ouvrir à la peau et donner des points noirs, soit qu'ils vont se rompre dans le derme et là, ça va générer des phénomènes inflammatoires. Voyons ici les éléments, regardez, un petit peu blanchâtres, sont des papules de couleur blanchâtre, comme vous voyez, mais vraiment de très petite taille. Donc ici, nous avons l'évolution, d'accord, d'un comédon fermé. Comment qu'il va évoluer? On avait dit que soit qu'il se rompait à l'extérieur et ça donnait obligatoirement des comédons ouverts, ou encore, il va se rompre dans le derme et là, ça va donner des éléments inflammatoires parce que le produit du sébum, c'est-à-dire le sébum en lui-même, est irritant pour les éléments constitutifs du derme. Deuxièmement, on a parlé des éléments rétentionnels. Dans les éléments de rétention, on avait parlé des points noirs et des points blancs. Maintenant, les lésions inflammatoires, c'est-à-dire à un stade un peu plus avancé, on a de l'inflammation qui s'installe.
Donc, les lésions inflammatoires, on a deux types de lésions inflammatoires, des lésions superficielles et des lésions beaucoup plus profondes. Donc, les lésions superficielles, c'est ce qu'on voit, elles sont représentées essentiellement par la papule ou la pustule ou encore la papulopustule. Comme ici, comme on le voit, ce sont soit des papules qui sont un petit peu surmontées de pustules. Donc, ce sont des lésions inflammatoires qui apparaissent soit de nouveau, soit par évolution des microkystes, c'est-à-dire si on a un petit point blanc qu'on manipule, on essaie de faire sortir l'élément blanc, on risque, comme on avait dit tout à l'heure, de faire rompre la lésion à l'intérieur du derme et de ça donne des éléments inflammatoires. Donc ce sont des élevures rouges, fermes, douloureuses, plus ou moins douloureuses, donc qui vont se résorber spontanément ou encore se surmonter d'une pustule, comme on l'avait dit tout à l'heure. Deuxièmement, la pustule, c'est cette fameuse papule, comme on avait dit, assommée, purulente. Voilà, en agrandissement, cette fameuse pustule, donc cette patiente, présente plusieurs éléments, donc notamment des éléments pustuleux francs et des lésions papuleuses, comme on le voit, donc des papules et des pustules. Et ça, c'est une lésion en cours de rémission. Les lésions inflammatoires de deuxième type sont les lésions inflammatoires profondes. Donc, les lésions inflammatoires superficielles sont la papule et les pustules. Les lésions inflammatoires profondes vont être représentées par des nodules. Des nodules, ce sont des lésions de grande taille, des tuméfactions, comme on le voit ici, des tuméfactions inflammatoires. D'accord ? Donc, qui sont douloureuses et fluctuantes. C'est-à-dire, si on pose le doigt, on voit qu'il y a une collection à l'intérieur. Donc, soit qu'elles vont fistuliser à l'extérieur, soit qu'elles vont proliférer dans le derme et donner des pseudokystes, des abcès et des sinus. Il est clair que ces lésions ont une évolution cicatricielle, c'est-à-dire ça va laisser des lésions. Donc, chez ce patient, on regarde ici, on remarque bien qu'il a des éléments vraiment de différents types. Hein. Donc, il a des éléments inflammatoires de grande taille, des éléments inflammatoires de petite taille, d'accord, comme on le voit. D'accord ? Et si on regarde bien, il peut avoir des lésions rétentionnelles un petit peu éparpillées. Voici également une image illustrant les nodules inflammatoires. Donc, pour récapituler, donc il ne faut pas oublier que les éléments sont de type, soit de type rétentionnel, et dans la rétention, ce sont les comédons, c'est-à-dire le point blanc et le point noir. Sinon, dans les éléments inflammatoires, donc de petite taille, c'est les papules et les pustules. Sinon, les éléments de grande taille, ce sont les nodules. Maintenant, comme dans le psoriasis, comment évaluer la sévérité de l'acné? Il est clair qu'avant de traiter le patient et pour pouvoir traiter, il faudra juger de la sévérité de l'acné. Pour cela, nous disposons d'une échelle globale d'évaluation de l'acné, donc la GEA, d'accord, qui grade l'acné de 0 à 5. Le 0 correspondant à pas de lésion, ça c'est vraiment l'objectif thérapeutique. Nous voulons arriver à ce stade-là, c'est que le malade, il n'ait plus de lésion. Le grade 1, le patient n'a pratiquement pas de lésion. Le grade 2, c'est une acné légère, donc facilement on arrive à facilement identifier. Et bien sûr, ce grading, si vous voulez, est fait en fonction de l'atteinte du visage et du pourcentage de l'atteinte du visage selon la présence d'éléments rétentionnels seuls ou rétentionnels associés à des éléments inflammatoires. Et est-ce que c'est des éléments inflammatoires de petite taille ou bien c'est des éléments inflammatoires de grande taille? Il est clair que le grade 5 correspond à des acnés très sévères, très inflammatoires, recouvrant tout le visage et bien sûr, ça c'est le maximum avec beaucoup de nodules. Concernant les formes cliniques, donc nous disposons de plusieurs formes cliniques, comme dans le psoriasis, donc des formes selon l'âge, selon la gravité et certaines formes particulières qu'on abordera. Donc en fonction de l'âge, nous verrons que l'acné peut se voir à tout âge. En fonction de l'âge, à tout âge, bon, l'âge le plus fréquemment donc retrouvé, c'est l'acné juvénile polymorphe, c'est-à-dire l'acné de l'adolescent. L'acné de l'adolescent est une acné polymorphe, c'est-à-dire qu'on va avoir des lésions de différents types, donc c'est la forme commune, la plus fréquente, et on a un mélange de lésions rétentionnelles et de lésions inflammatoires, souvent au niveau du visage, donc pas plus. Donc, le début de l'acné, généralement, il est entre 12 et 13 ans pour les filles et 1 à 2 ans plus tard pour les garçons.
Donc l'atteinte des pointes des omoplates est souvent synonyme de sévérité, il faut faire attention. Si ça va au-delà du visage et qu'il y a une atteinte des omoplates, là, il faut craindre des formes graves. L'acné du nouveau-né existe, donc le nouveau-né peut faire une acné, donc ce n'est pas un adolescent. Donc souvent c'est une acné transitoire, c'est l'atteinte du visage qui prime et souvent à la première semaine après la naissance. Bon, c'est la conséquence du passage des androgènes maternels et qui vont stimuler les glandes sébacées, ça va donner cette glande. Donc souvent la régression est spontanée en quelques semaines, donc pas besoin de traiter ces bébés. L'acné infantile est possible. Donc, un enfant peut faire de l'acné, souvent au-delà de 2 ans, mais avant la puberté. Donc, c'est des patients qui présentent, des enfants qui présentent de l'acné. Il faut voir s'ils n'ont pas de pilosité précoce, s'ils n'ont pas de développement précoce des organes génitaux androgéno-dépendants, s'il n'y a pas d'obésité associée, s'il n'y a pas de l'avance staturale. Il faut faire attention et systématiquement rechercher une hyperplasie congénitale des surrénales et des tumeurs ovariennes ou des tumeurs surrénaliennes. C'est important à savoir. L'acné prépubertaire existe également. Ce sont essentiellement des formes rétentionnelles, le front, les joues et le nez. Là aussi, souvent en rapport avec une augmentation de la dihydrotestostérone. Donc là, il faut faire attention également. Il faut vraiment procéder avec prudence. Donc, soit il s'agit de formes susceptibles à faire des formes graves à la puberté, donc c'est des patients à surveiller, soit que c'est un mode de révélation de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, toute acné qui survient en dehors de la puberté, on va voir que c'est une acné à considérer de près. L'acné de l'adulte, on avait dit que c'était possible et était beaucoup plus fréquente chez la femme. Là aussi, une femme adulte qui n'est pas en âge de faire de l'acné, donc doit être explorée. Okay? Donc ce sont des femmes qui présentent une acné soit qui persistait depuis l'adolescence et qui ne part pas au-delà de 25 ans, soit que c'est une femme qui n'avait pas d'acné et qui, au-delà de 25 ans, commence à développer des lésions d'acné. Donc rechercher systématiquement des signes d'hyperandrogénie, donc une cause hormonale. Donc c'est des lésions qui siègent souvent au niveau de la partie inférieure du visage. Le nombre en général, c'est des lésions vraiment en nombre pas très élevé, mais c'est assez inflammatoire. Ce sont des nodules profonds et des poussées inflammatoires caractéristiques et c'est le bas du visage qui est touché, comme on le voit sur la photo. Donc, si en plus de l'acné chez cette femme, il y a des signes de virilisme, des troubles du cycle ou encore un hirsutisme, ne pas hésiter à explorer par des échographies ovariennes ou encore des bilans hormonaux à la recherche d'une hyperandrogénie. Chez l'homme, l'atteinte est possible, mais beaucoup moins fréquente. C'est souvent le dos qui est touché et souvent sur un terrain génétique d'hyperséborrhée. La grossesse, là aussi, c'est un terrain particulier. Donc, l'acné peut survenir au courant de la grossesse. Donc, il n'y a pas de fait, il y a des acnés qui sont aggravés par la grossesse et d'autres qui sont améliorés par la grossesse. Et l'évolution, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est très variable. Donc, les problèmes au cours de la grossesse sont surtout d'ordre thérapeutique, puisqu'il y a beaucoup de contre-indications de médicaments de l'acné. Il n'y a que le gluconate de zinc qui constitue une alternative thérapeutique. Les formes cliniques, on a vu les formes cliniques en fonction de l'âge, d'accord? Deuxièmement, on va voir les formes cliniques en fonction de la gravité. De la gravité, il faut savoir qu'il existe des formes graves d'acné. Donc celles qu'on a vues tout à l'heure, ça reste toujours dans les formes d'acné juvénile, pas très importantes. Les acnés graves sont représentées essentiellement par 2 formes, l'acné nodulaire et l'acné fulminante. L'acné nodulaire ou dite acné conglobata, c'est une acné nodulaire suppurative chronique, c'est-à-dire qu'il y aura du pus qui va sortir et elle est à présentation nodulaire. Donc c'est une acné normale qui va évoluer progressivement vers une extension au tronc, aux épaules, aux fesses et aux racines des membres, c'est-à-dire des sièges qui ne sont pas censés contenir des lésions d'acné. Donc ce sont des nodules très inflammatoires, très douloureux, le malade n'arrive même pas à dormir, donc réalisant des abcès et une fistulisation, l'évolution est souvent chronique, laissant des cicatrices indélébiles. Donc sur cette image, nous voyons bien les lésions nodulaires, donc vous voyez, regardez les nodules, et cette fameuse fistulisation, donc ici il y a du pus qui va sortir, c'est des lésions très très inflammatoires. Bon, ici au passage, nous voyons ici les lésions rétentionnelles, qui sont elles les lésions initiales, donc des comédons ouverts, ça c'est des points noirs, d'accord, regardez, il a plein 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 de points noirs, c'est ça les lésions initiales. Les lésions initiales de toute acné, ce sont les lésions rétentionnelles. Ça, c'est les cicatrices atrophiques
comme on le voit, du dos suite à une acné nodulaire ou une acné conglobate. Dans le deuxième volet des acnés graves, on a l'acné fulminante. L'acné fulminante, c'est une acné beaucoup plus grave. Elle constitue donc une des formes où c'est une urgence thérapeutique. Donc c'est une forme grave à début brutal. Ce sont des nodules inflammatoires comme dans l'acné nodulaire, sauf qu'il y a une évolution vers des ulcérations nécrotiques et hémorragiques. Ça, c'est pire. C'est pire que la forme précédente. Il y a de la nécrose, il y a de l'hémorragie et il y a des ulcérations. Sans compter qu'il y a une association, une altération de l'état général avec de la fièvre, des arthralgies, des myalgies, une hyperleucocytose, comme on le voit sur ces photos. Okay? Donc regardez carrément des ulcérations, des pertes de substances et des croûtes noirâtres donc qui témoignent d'accord, de la nécrose. Regardez la teinte large des zones du thorax, d'accord, regardez des épaules et là aussi regardez les croûtes donc qui témoignent des suppurations. Dans le cas des autres formes cliniques, on a des formes particulières. Alors, des formes particulières, c'est surtout, premièrement, l'acné induite. Alors, l'acné induite, par quoi ? Par plusieurs produits. Il faut le savoir que l'acné peut être provoquée par l'application de produits. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acné exogène, donc secondaire, soit à des applications d'huile minérale, soit dans un cadre professionnel, des intoxications ou des expositions professionnelles aux hydrocarbures. Une intoxication au chlore, ça donne une acné beaucoup plus comédonienne, et aux huiles végétales et aux paraffines fluides qui sont contenues aux cosmétiques, dans les cosmétiques, pardon. Et donc, d'où l'intérêt d'un interrogatoire bien précis pour voir, parce que là, le traitement, c'est d'abord enlever ce qui a produit l'acné. Donc, c'est très important, ça fait partie intégrante du traitement. Toujours dans les acnés induites, on a les acnés iatrogènes, c'est-à-dire médicamenteuses, donc qui sont induites ou entretenues par un médicament. Souvent, ce sont des lésions monomorphes, hein, donc inflammatoires, donc type papulopustule, en général, hein, j'en dis bien en général. On peut avoir donc quelques comédons et microkystes qui sont parfois absents ou rares dans certains cas. Donc, ça se voit essentiellement pour certains médicaments. Donc, on peut avoir dans quelques cas un tableau d'acné fulminante qui peut être déclenché par les médicaments comme dans l'acné fulminante. Il existe une série de médicaments à connaître, d'accord, qui sont inducteurs d'acné ou bien des lésions acnéiformes, tels que les inhibiteurs de l'EGF, c'est très important à connaître. Il y a les antituberculeux aussi, les corticoïdes locaux ou systémiques, les contraceptifs bien sûr, les androgènes, ça va de soi, les antiépileptiques et les vitamines B1, B6 et B12. C'est très très important à connaître. Donc, le deuxième volet, c'est l'acné excoriée. Donc, l'acné excoriée, ça survient chez des femmes qui sont anormalement anxieuses et fragiles sur le plan psychologique. Ce sont des lésions d'acné normales, sauf qu'elles sont manipulées, elles sont tripotées. Les femmes passent leur temps à tripoter les lésions. On va avoir donc des lésions d'acné en plus de lésions de grattage et des excoriations. Souvent, les lésions sont entretenues par des manipulations continues et des soins de cosmétologie inadaptés. Donc, il faut faire attention et c'est souvent, bien sûr, des femmes. Chez le VIH, souvent, on a des lésions d'acné avec une séborrhée très, très, très importante, avec intervention d'un champignon particulier qui est le Malassezia furcure. Et souvent, l'évolution est sévère sur ce terrain. L'acné estivale, souvent, il y a des patients qui viennent vous dire, après l'été, j'ai eu une poussée d'acné, au cours de l'été, pardon, j'ai des poussées d'acné. Souvent, ce sont des lésions inflammatoires sur des zones bien particulières, cou, poitrine et épaules, déclenchées par les UVA. Et bien sûr, lorsqu'il arrête les expositions, les lésions disparaissent complètement. Il existe des acnés qui révèlent un désordre hormonal, bon ça a déjà été abordé, donc notamment les endocrinopathies, le syndrome des ovaires polykystiques et bien sûr systématiquement investigué dans le sens d'une hyperandrogénie. Acné et alimentation, est-ce que association acné et consommation de certains aliments est là ? Ça reste toujours sujet à débat. Donc à certains moments, ce sont les aliments très très gras ou encore les aliments très sucrés. Toutefois, quand un patient, donc c'est un sujet qui est encore débattu, ils ne sont pas tous d'accord, sauf que quand un patient vient vous dire que son acné a été déclenché par un aliment, là, il faudra considérer la question. Quelles sont les maladies possiblement associées à l'acné ? Il faut savoir que l'acné peut être soit
associée ou des fois être confondue avec ces pathologies auxquelles elle peut être associée. Donc, la maladie la plus importante à connaître, c'est l'hydraténite suppurée ou maladie de Verneuil. C'est une maladie inflammatoire chronique suppurée qui survient sur des sites des glandes apocrines. Donc, il y a les aisselles qui sont touchées, les plis inguinaux. On a l'impression que c'est de l'acné nodulaire, mais qui survient sur des sites qui ne sont pas ces sites-là, les sites de l'acné. Donc souvent, ce sont des abcès sur ces zones-là qui sont associés à une acné conglobata, donc souvent associés à des sinus et des kystes pyélonidaux au niveau interfécier. On peut avoir également des lésions folliculaires à évolution cicatricielle alopécique du cuir chevelu. Voilà, donc des lésions des aisselles, ce sont des lésions nodulaires, abcédées, donc qui surviennent chez les sujets qui ont déjà une acné conglobata. On a l'impression que c'est ces lésions-là qui surviennent à ce niveau-là. Donc ça, c'est une maladie de Verneuil avec un traitement qui est quand même différent. Donc ça, c'est une maladie de Verneuil donc, périnéale. D'accord, regardez les abcès et les différentes fistules que ça peut laisser. Il y a aussi également le SAFO, le syndrome SAFO. Donc, S qui veut dire synovite, acné sévère conglobata et fulminante, pustule ophtalmoplantaire, hyperostose et ostéite. Donc, les diagnostics différentiels de l'acné sont importants juste à connaître parce que toute lésion papulopustuleuse ou nodulaire n'est pas acné. Donc, il faut faire attention. Donc, au niveau du visage, il ne faut pas confondre avec une rosacée. La rosacée, ça donne essentiellement des lésions papulopustuleuses du visage comme on le voit ici. Sauf qu'il n'y a pas de comédon et de microkystes. Ça touche les joues et le nez. Et bien sûr, ça s'associe souvent à une érythrose faciale inaugural. Voilà, souvent il y a une hyperémie conjonctivale qui est associée à des manifestations oculaires avec un nez qui commence à grossir, ce qu'on appelle le rhinophyme. Voilà, ça c'est la copérose, d'accord, c'est les télangiectasies qu'on peut avoir au cours de la rosacée. Et regardez, on voit bien qu'il n'y a pas de comédon. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est la dermite péréorale. Ce sont des lésions inflammatoires autour de la bouche, souvent suite à une utilisation abusive de cosmétiques ou encore de corticoïdes locaux. Et ça survient surtout chez la femme. Voilà des exemples de dermite péréorale. Il faut bien voir qu'il n'y a pas de lésion comédonienne. On a également donc les folliculites à gram négatif qui sont rencontrés au cours des antibiothérapies prolongées. Ce sont des lésions essentiellement papulopustuleuses. Voilà, c'est essentiellement à Enterobacter, Klebsiella et Escherichia coli. Nous avons également la démodécie faciale, donc c'est une hyperkératose des ostéoles folliculaires. Elle est due essentiellement au démodex. Sinon, ce qu'il faut connaître, ce sont les syphilis secondaires, la sarcoïdose micronodulaire, le lupus miliaire de la face, les angiofibromes de la sclérose tubéreuse de Bourneville et les pseudofolliculites de Laval. Au niveau du dos, c'est essentiellement avec les autres folliculites. Les folliculites, soit d'origine mycosique, donc dites pityrosporiques, d'origine pityrosporique, qui touchent essentiellement l'adulte jeune, le garçon. Aggravé surtout, on a cette aggravation en été, et suite aux antibiotiques. Et souvent, quand on fait une mycologie, il y a du mal à saisir furfur. Sinon, il y a les folliculites bactériennes qui sont vues au cours, vous allez voir, au cours des infections bactériennes. Et il y en a les folliculites mécaniques suite au frottement ou encore position allongée longue durée. Quelles sont les complications de l'acné? Bon, bien sûr, les complications de l'acné et que tout le monde craint, ce sont les fameuses cicatrices. Donc, les cicatrices sont l'évolution finale des lésions. On avait vu que c'était essentiellement inflammatoire. Les lésions rétentionnelles ne sont pas très agressives. Donc, l'érythème et la pigmentation peuvent survenir sans cicatrices. C'est-à-dire, on peut avoir juste des troubles pigmentaires. Sinon, on peut avoir des cicatrices atrophiques et des cicatrices hypertrophiques. Ici, c'est le cas de cicatrices atrophiques, c'est-à-dire que ça fait des trous, hein. Voilà, sinon, les autres complications, ça peut être l'œdème facial, les ostéomes, on peut avoir des rhumatismes acnéiques, des amylos systémiques ou encore des septicémies. Nous abordons ainsi donc le volet thérapeutique. Il faut savoir que le traitement de l'acné sera fonction du type d'acné et de l'extension de cette acné. Mais il faut savoir que l'objectif principal sera d'agir autant que possible sur tous les éléments qui contribuent à la formation de l'acné, notamment lutter contre l'épaississement de la peau, déboucher les fameux pores qui étaient là pour la rétention, diminuer l'inflammation, parce qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup d'inflammation, réduire la multiplication bactérienne et diminuer
la production de sébum. Donc, il faudra essayer au maximum de réunir toutes ces conditions. Pour cela, nous disposons de plusieurs traitements, notamment, maintenant, on va commencer par le traitement local. Le traitement local, nous disposons d'antibiotiques locaux. L'antibiotique locaux, notamment l'érythromycine et la clindamycine, bon, qui a une action, c'est bien antibactérienne, mais malheureusement est anti-inflammatoire, sauf qu'il y a un risque de résistance et la durée d'utilisation est souvent limitée, moins d'un mois. Donc, ce n'est pas très, très intéressant. Le deuxième traitement utilisé, c'est le peroxyde de mazole, qui est très intéressant, puisqu'il a une action antibactérienne, presque pas kératolytique, et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de résistance thérapeutique, c'est très important. Sauf que l'inconvénient, c'est la phototoxicité, l'irritation et les eczémas de contact, donc il faut les utiliser avec précaution, avec éviction de soleil, d'accord? Ne pas les appliquer déjà sur des peaux antérieurement irritées. Le troisième médicament utilisé, ce sont les rétinoïdes topiques. Alors là, les rétinoïdes vont être utilisés avec leur action kératolytique. Donc les deux premiers, on avait vu qu'ils avaient une action essentiellement anti-inflammatoire. Ça veut dire qu'ils sont indiqués essentiellement dans les acnés inflammatoires. Les rétinoïdes, paradoxalement, bon, heureusement, ils ont une action kératolytique. Ils vont nous permettre de détruire ces fameux bouchons cornés, donc, et à libérer l'infundibulaire. Donc, ils ont une action kératolytique. Donc, nous avons la trétinoïde et la dapalène. Et là aussi, un problème de photosensibilité et d'irritation. Donc, ils ont une activité essentiellement kératolytique et faiblement anti-inflammatoire. Donc, les rétinoïdes seront indiqués essentiellement dans les acnés rétentionnés. Les anti-inflammatoires qu'on a vu tout à l'heure, essentiellement dans les acnés où l'inflammation domine, mais toutefois, il faut toujours finir par le traitement par rétinoïde parce qu'il faudra détruire les lésions initiales et on sait que les lésions initiales, ce sont les lésions rétentionnelles. Donc, les rétinoïdes seront systématiquement associés au traitement topique. Donc, rétinoïde plus antibiotiques, rétinoïde plus peroxyde de benzoyle et après, on peut arrêter les autres et garder uniquement les rétinoïdes pour vraiment détruire les lésions rétentionnelles. Un autre traitement local, c'est l'acide azélaïque, donc qui est kératolytique, vraiment faible à modéré. Le traitement local combiné, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, on utilise un traitement contre les bouchons, on va dire kératolytiques, associé à un antibiotique topique. Sinon, on peut utiliser des antibiotiques topiques à un peroxyde de benzoyle lorsque les lésions sont très, 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 très inflammatoires et je veux vraiment un effet potentialisé. Donc, j'utilise deux médicaments à action anti-inflammatoire. Sinon, j'utilise un rétinoïde avec un traitement anti-inflammatoire, donc tel que le peroxyde de benzoyle. Donc, j'utilise rétinoïde plus antibiotique. Rétinoïde plus peroxyde de benzoyle, ou encore j'utilise du peroxyde de benzoyle plus antibiotique topique. Et je peux même, bon, là on est dans les combinés, on peut utiliser donc les rétinoïdes seuls. Les traitements systémiques, nous disposons de plusieurs traitements, donc antibiotiques comme traitement local, les rétinoïdes comme le traitement local, c'est par voie orale, le gluconate de zinc et l'hormonothérapie lorsque vraiment il y a un problème hormonal sous-jacent. Donc les antibiotiques, on les utilise pour leur action anti-infectieuse, mais surtout, surtout pour leur action anti-inflammatoire. Donc le chef de file, ce sont les cyclines. Donc les cyclines ont une action de choix sur essentiellement le propionibacterium acnes. Les macrolides, c'est l'érythromycine qui n'est pas très tolérée sur le plan digestif. Sinon, nous avons l'isotrétinoïne, donc c'est le cure-acné. C'est un rétinoïde qui est donné par voie orale. Bon, il a l'avantage de donner des rémissions prolongées, voire une guérison, aux dépens d'une atrophie des glandes sébacées. Donc, il va y avoir une réduction de sébum, une diminution d'hyperkératinisation avec une réduction de l'inflammation locale. Donc, l'inconvénient, c'est qu'il y a des recommandations à suivre. Donc, c'est un traitement de seconde ligne après échec des cyclines et des topiques. Ça, c'est obligatoire. On va le voir tout à l'heure dans les indications. La dose initiale, elle est en général de 0,5 mg kilo. Il faut bien contrôler le bilan hépatique et lipidique à un mois, puis tous les 3 mois. Et bien sûr, ne pas dépasser une dose cumulative de 120 à 150 mg par kilo. C'est ce qui fait une durée de traitement de 6 à 8 mois en général. Donc systématiquement, faire attention
à l'effet tératogène. Donc, il y a un risque tératogène. Donc, il n'est pas recommandé déjà chez l'enfant de moins de 12 ans. Donc, risque tératogène donc, implique obligatoirement une contraception un mois avant jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement. Et bien sûr, test de grossesse 3 jours avant le début du traitement, puis tous les mois, 5 semaines, jusqu'à 5 semaines après l'arrêt du traitement. Donc, les effets secondaires sont à connaître. Et bien sûr, il faut savoir, il faut bien expliquer aux patients qu'en début du traitement, on peut avoir une aggravation de l'acné, c'est ce qu'on appelle les poussées inflammatoires. Donc, c'est le premier, le deuxième, voire le troisième. Après les rétines, donc on a vu premièrement les antibiotiques, deuxièmement les rétinoïdes, troisièmement le gluconate de zinc, dont on a parlé tout à l'heure, qui était une bonne alternative, surtout chez la femme enceinte. Et il a une action essentiellement anti-inflammatoire, ça veut dire qu'il va agir essentiellement sur les acnés inflammatoires. Donc, si vous avez une acné rétentionnelle, d'accord, c'est pas la peine d'en donner parce que vous n'allez pas avoir un résultat probant. Il reste les hormones, donc nous disposons donc d'hormonothérapie qui va bloquer les récepteurs périphériques de la déhydrotestostérone de la glande sébacée. Donc, on va arriver, c'est-à-dire on va faire marche arrière et bloquer sur le plan physiopathologique ces fameux récepteurs à la déhydrotestostérone pour ne pas justement provoquer cette hyperproduction de sébum lorsqu'il y a un excès, lorsqu'on sait qu'il y a un excès de stimulation de ces récepteurs. Donc, nous disposons de la Diane 35 et il y a d'autres médicaments, et souvent en associé à l'endocure. Sinon, il y a d'autres générations, d'accord, mais bon, ce n'est pas très important. Il faut savoir que ce n'est pas un traitement majeur hein, en monothérapie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'hormonothérapie. C'est généralement la jeune femme, c'est les acnés à faible à modéré, d'accord, qui souhaitent une contraception. Et souvent, lorsqu'il y a d'autres signes d'hyperandrogénie, les cheveux gras, une chute de cheveux, etc., etc. Maintenant, la stratégie thérapeutique, comment qu'elle doit se faire? Donc, il faut bien réfléchir. Systématiquement, un acnéique, il faut faire un interrogatoire et un très bon examen clinique pour identifier le type d'acné, l'extension, les facteurs de risque éventuels. Est-ce qu'il a déjà reçu des traitements? Est-ce que ça a été efficace? Est-ce qu'il a bien toléré? Est-ce qu'il y avait une bonne observance? Tous ces éléments sont importants pour arriver à la décision thérapeutique. Pour arriver à la décision thérapeutique, il y a des recommandations et ce tableau est à suivre. C'est très facile, donc, et il y a des recommandations. On va prendre premièrement donc une acné très légère, donc dite de grade 1. Donc le traitement préconisé en premier, également ici, donc traitement, il est dit par peroxyde de benzoyle. Point. Ou bien par des rétinoïdes locaux, c'est à nous de voir s'il y a une composante inflammatoire prédominante, ou bien s'il y a très peu d'inflammation, les rétinoïdes vont faire l'affaire. Mais il faut obligatoirement continuer à 3 mois, et s'il y a échec, on va associer les deux. Un anti-inflammatoire et un anti-rétentionnel. Si on a un grade, le grade 2, c'est un traitement par d'emblée des deux, d'accord? Parce que c'est un grade plus avancé, on va associer un traitement kératolytique plus un traitement anti-inflammatoire. Et à 3 mois, on fait une évaluation. S'il y a échec à 3 mois, on va intensifier le traitement local de première intention ou un traitement local par antibiothérapie associé aux rétinoïdes. Donc là, soit on change, soit on donne antibiotiques plus peroxyde de benzoyle plus rétinoïdes locaux. Après, si on n'a pas trop le choix, on va faire appel à un traitement par os, mais ce sera systématiquement des antibiotiques. On ne va pas aller aux rétinoïdes. Et plus on va avancer, on va voir qu'on minimise les choix jusqu'à arriver à l'isotrétinoïde per os d'emblée. Ça concerne par exemple les acnés très sévères grade 5, donc qu'on a vu tout à l'heure, vraiment suppurative et tout, on n'a pas le temps de passer par, et ce sera forcément inefficace. Donc voilà, donc il faudra systématiquement donc continuer ce traitement jusqu'à arriver à un traitement d'entretien. Donc le traitement d'entretien, il vise à maintenir un grade 0. Grade 0, c'est-à-dire, on l'avait dit tout à l'heure, une légère pigmentation, cependant pas de lésion. Et le traitement d'entretien, il sera à base de rétinoïdes pour détruire, on avait dit, les lésions initiales, c'est-à-dire les microkystes et les comédons. Donc il est à base d'adapalène, on a vu, donc 1 jour sur 2, d'accord, ou un autre rétinoïde, c'est comme vous voulez. Avec ou sans, d'accord, peroxyde de benzoyle, ça dépend des cas, hein, d'accord. Là aussi, la trétinoïne, ici, il est mentionné qu'elle peut être utilisée à la place de l'adapalène. Là, on a largement le choix. Donc, il faudra systématiquement suivre les instructions pour être tranquille. On ne peut pas d'emblée
arriver à une prescription pour de d'isotrétinoïne pour une acné grade 2 parce que le malade le veut. Il faut que le malade sache que pour arriver à une prescription d'isotrétinoïne perreuse, il faudra systématiquement passer par une cascade de traitements quand ça nécessite pas, lorsque c'est des acnés légères. Seules les acnés en matière de sévérité et de gravité doivent bénéficier d'un traitement par isotrétinoïne, bien sûr, ou bien lorsqu'il y a échec de toutes les modalités thérapeutiques. Il faut savoir qu'il y a sur le marché des cosmétiques adjuvant des traitements anti-acnéiques. Ils sont indiqués essentiellement en cas de mauvaise tolérance des médicaments. Il faut savoir que leur efficacité est faible parce que c'est des cosmétiques, c'est pas des médicaments. Donc, ils sont à base d'acide de fruits. Il faut savoir qu'ils peuvent contenir le nicotinamide, donc ils sont très actifs sur les lésions inflammatoires. Il y a des crèmes hydratantes et non comédogènes qui sont prescrites pour éviter l'efflorescence des lésions comédoniennes. Les écrans solaires sont utilisés d'indices de protection élevés et les produits de toilette doivent être doux, d'accord, et non comédogènes. Donc, c'est souvent des traitements adjuvants, mais ils ne sont pas des traitements faits pour traiter l'acné proprement dite. Il faut savoir que d'autres thérapeutiques sont possibles. Hein. On peut arriver à la microchirurgie avec extraction des comédons, incision de microkystes, parfois même le laser, surtout l'IPL, d'accord, et la photothérapie dynamique lorsque les cicatrices sont inesthétiques. Hein. Voilà. Je vous remercie.